Au départ, c'est venu par un marché de l'artisanat d'art qui était organisé par le Conseil Général et Infolor. Et ils m'ont demandé, pour ce qui est du domaine de la céramique, l'art de la céramique, de faire une installation et des animations. Donc à partir de là, comme la céramique a pris de l'ampleur, on a décidé de faire un marché de la céramique uniquement. C'est la 4e édition et on a de la chance d'avoir depuis déjà 8-10 ans, ça fait la 2e fois que des Espagnols viennent, des Luxembourgeois, des Allemands. Donc on a aussi là cette année donc la Pologne. Voilà, on a de la chance d'avoir des céramistes qui s'y intéressent de plus en plus. Et bon, après l'actualité du site aussi, la beauté du site, il fait beaucoup. L'énergie aussi donne le Conseil Général pour que le marché se déroule au mieux pour les potiers. Donc voilà. Tout ça, ça aide pour les inviter et leur donner l'envie de venir. Depuis sa création, le Chemin de la Céramique s'est enrichi de multiples animations. Une centaine de bénévoles sont présents pour s'occuper de la logistique, du public toujours plus nombreux et tout simplement pour partager leur art, leur amour de la terre. Ainsi, assis sous un arbre, nous pouvons croiser Yves Carrier, Vanier, nous contant les origines de la céramique. Je suis venu ici sur l'invitation de Céline, parce que c'est une amie, et qui a l'origine de la poterie. On est parti de la vannerie en fait. D'accord. Donc au début, on avait fait des paniers pour trimballer pas mal de choses solides. Et après, ils ont primitifs, ont imaginé une isolation avec de la glaise, de l'argile, pour pouvoir transporter de l'eau, des produits liquides. Donc c'est pour ça que la vannerie est à l'origine de la poterie au départ. Comme on peut voir aussi encore des poteries qui sont faites avec des cordes en support au départ. Donc la vannerie servait à ça. Je prends le bois vert. Donc ça c'est du bois que j'ai cueilli hier. Il suffit de faire une petite incision comme ça. Et là, donc la genouillère. En pliant comme ça, on voit la fibre qui cède. Et on peut décoller comme ça, sur toute la longueur. Donc avec ça, je vais pouvoir faire donc ce qu'on voit là, ce que je suis en train de terminer, le remplissage. Je fais aussi les croisillons, et je fais les liens au départ. Au départ, donc je pars de deux cercles, comme ça. C'est plaqué à l'intérieur du croisillon. J'en mets trois au départ, de chaque côté. Donc je les mets de manière à avoir une forme symétrique évidemment, un fond plat, donc il faut que les arceaux là dépassent un petit peu par rapport au fond. Et après je vais remplir. Un peu plus loin, deux démonstrations de cuisson primitives sont en cours. Donc là on a commencé à cuire juste avec feu de bois en direct sur les pots qui étaient beaucoup plus utilitaires hein, pour garder les aliments, pour pouvoir les cuire, pour les garder plus longtemps. Alors les fours primitifs, il y a plusieurs sortes. En effet, il y a le four primitif technique africaine où là c'est juste une sole de bois et de branchage avec des poteries qui sont installées en pyramide par-dessus. Pour le four papier, là c'est un système également de surélévation sur une grille de poterie en pyramide toujours, tout autour du bois comme un tipi. Et ce bois-là est fixé et entouré de grillages de papier glacé qui va être trempé dans la barbotine. Et elle aura le temps de cuire pendant que le papier disparaît. Donc ça va faire une croûte de four et qui va résister jusqu'à 1000 degrés. Et puis la décoration, oui, c'est quelque chose pour l'animation, ça fait participer les gens. Du coup, les gens peuvent mettre un petit peu la main à la pâte sans savoir forcément sculpter ou modeler. Bah, ça va être un premier contact intéressant pour se tester avec l'argile, pour apprendre à connaître l'argile. Il y a de multiples façons de travailler l'argile. Par exemple, voyons ce qu'il se passe à l'atelier de jarre à la corde. On choisit la forme de la jarre. Après, on va dessiner les arêtes et on va créer le gabarit avec du contreplaqué. Une fois qu'on a créé son gabarit, son modèle, on va entourer de cordes. Hein. On applique des plaques de terre. On va la tirer plusieurs fois pour que tout se marie bien ensemble et que ça pénètre bien dans la corde.
Donc ensuite, après, pour la jarre à la corde, il suffit de laisser un peu sécher. La terre se rétracte, donc elle va se refermer. Donc il faut surveiller, puisqu'il faut enlever en premier lieu les baleines en bois. Et ensuite, on peut retirer la corde. Et là, le séchage peut se faire totalement pour la jarre. Une autre façon de travailler la terre est le tour. Certainement la technique la plus connue. Et les démonstrations s'enchaînent à un rythme soutenu. On doit faire le bélier, l'escargot pour chasser les bulles d'air, une bonne préparation de l'argile pour éviter que ça explose. Et ensuite, on va positionner la boule de terre au centre de la girelle et là, on va commencer à la centrer. Là, on va devoir lancer la girelle avec les pieds, donc avec le corps, avant de pouvoir attaquer sur le travail des mains, des bras, sur la boule de terre. Donc là, il y a un lien à faire entre toutes les parties du corps et aussi entre le mouvement de la girelle, le mouvement du corps. Il faut aussi s'équilibrer puisqu'on va lancer la roue, donc ça va donner des à-coups. Donc pouvoir équilibrer ça avec le travail de la terre en délicatesse avec les mains. La technique du tour, c'est vraiment une histoire de force, mais bien placée. Le tour électrique, c'est un tour où on va juste appuyer sur une pédale pour pouvoir faire tourner la girelle. Et du coup, on va se concentrer sur la force du corps, le centrage, les mains, les bras qui vont travailler. Sur le tour à pied, en fait, c'est un peu plus naturel de tourner que sur un tour électrique puisque grâce à l'inertie, ça commence à se ralentir, on relance pas la roue et là, la fin se fait naturellement. Pour aller plus loin dans les techniques de tour, assistons à une démonstration de tournage de gros volume. C'est sûr qu'un gros volume, c'est beaucoup plus dur à centrer parce qu'il faut mettre toute sa force. C'est aussi une histoire de pratique, c'est-à-dire que le centrage doit être tout de suite parfait, sinon on perd de la terre, on perd de l'énergie et on se fatigue. Et la terre aussi se fatigue. Donc si la terre se fatigue, elle va moins bien se tenir pour monter la pièce. Et après, on a plusieurs techniques. On peut monter une grosse pièce, un gros volume, le laisser sécher, faire une deuxième, faire une troisième et les assembler. Ou alors, on peut monter une base, tourner un gros volume et ensuite rajouter un colombin par-dessus, un gros colombin, un gros boudin de terre qu'on va tourner à nouveau lorsque la terre sera un peu plus sèche en dessous. Pour le lien entre les deux ou trois pièces pour monter des gros volumes, on fait des stries sur chaque bord, on les assemble et à l'intérieur on va descendre la terre de l'un et de l'autre, enfin les assembler, les cicatriser en fait, et ensuite on rajoute un colombin, un boudin à l'intérieur pour bien être sûr que le lien soit fort et costaud. On doit savoir reproduire, on doit savoir recréer, on doit connaître les techniques pour maîtriser vraiment son travail. À partir du moment où on a une maîtrise, il faut savoir s'en dégager. Mais la maîtrise technique va pouvoir nous amener à une créativité, une originalité et une création propre personnelle qui va donner aussi la signature de l'artiste. Quelquefois, on fait des sculptures, on les jette par terre pour leur donner une force. Donc il y a un risque, c'est aussi prendre du risque, c'est aussi travailler avec le hasard, essayer de le maîtriser un peu pour comprendre vers quoi on peut aller. Et puis c'est comme ça qu'on peut trouver chacun son style. En les observant, ça paraît simple. Pendant le chemin de la céramique, chaque visiteur peut, s'il le désire, s'essayer aux différents ateliers. Tu vois, quand je vais pousser vers l'intérieur, un petit coup, je descends et j'ouvre mes doigts. Là, je me positionne vraiment derrière. Là, ça va. Le tour, en fait, c'est ce qui appelle tout le temps notre public. Les gens sont passionnés de voir le tour. Quand on parle poterie ou sculpture même, hein, c'est le tour qui les intéresse. C'est ça qu'ils veulent faire depuis des années. C'est un rêve, c'est quelque chose qui est passionnant. Ah, c'est pas évident, c'est de relancer à chaque fois. Pourtant, lorsqu'on a des élèves ou des stagiaires à l'atelier, c'est pas le tour qui va être utilisé le plus, au contraire. Il va être plutôt délaissé. Puisqu'en fait, à partir du moment où on commence, on comprend que c'est quelque chose de pas du tout magique et pas du tout facile. Mais par contre, celui qui a vraiment ça en lui et qui veut faire du tour, il va y rester. Mais c'est un petit pourcentage par rapport à tous ces passionnés du tour. Le tournassage demande, c'est pour faire un pied très fin, délicat, une belle finition, demande un fond épais. Sinon, n'importe quelle poterie qu'on tourne, on va toujours tourner une épaisseur vraiment minima, très fine et égale partout. Pas si mal. Allez, sur notre lancée, allons voir Nadège et ses sculptures éphémères. Ah, moi, ce que j'adore, c'est tu prends plein de terre et tu fais vraiment sur le moment. Tu fais ce qui te plaît, donner un mouvement, une forme et donner un... Tu prends des ficelles, à la limite, tu te fais une structure, peu importe comment, puis du coup, tu peux faire partir ta terre sans que ça se casse la figure. Tu fais comme un gros volume de terre, comme une montagne, tu vois, qui monte, et un peu en spirale, et en bas, tu fais un bonhomme pas travaillé, mais vraiment brut de décoffrage, et plus tu montes,
plus tu affines ton bonhomme en fait. Et ça fait un peu, moi ça me fait penser un peu à l'évolution de l'homme dans son cheminement de vie, ou c'est, enfin voilà, c'est une idée peut-être, je trouve ça rigolo quoi. Alors sculpture, c'est, l'éphémère, c'est surtout pour faire participer les gens. Donc cette sculpture était faite à partir de filasses, de ficelles, pour la suspendre, pour qu'elle la maintienne, pour qu'il y ait moins d'écroulement, parce que souvent quand on fait une sculpture collective, il faut attendre que la terre sèche, que les plaques soient un peu plus dures pour pouvoir les monter. Donc là, en public, sur une animation comme ça, il faut surtout éviter que tout s'effondre, donc on a prévu ces ficelles pour tout suspendre, c'était plus pratique. Le jeune public n'est pas oublié non plus, et plusieurs ateliers leur sont accessibles. Ainsi, l'atelier sculpté, tourné, modelé leur est entièrement consacré. Cette animation se fait sur le week-end et la semaine, ce qui permet au centre aéré de pouvoir s'y rendre. Alors, le centre aéré la semaine, c'est surtout, présenter la céramique aux enfants, parce qu'en fait, c'est un public qui va apprendre à toucher la terre. Et puis, pour la poterie, ben, ça leur montre un petit peu l'art en général, et puis les options sur l'art contemporain. Ça leur apprend un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la terre, autant en sculpture, avec l'outil du tour aussi. Ça, c'est magique pour eux. Déjà une démonstration, une explication assez longue pour leur montrer un petit peu toutes les étapes et puis la difficulté aussi, parce que ça paraît magique, mais il faut qu'ils comprennent aussi que c'est un travail de patience. C'est joli. Tu veux toucher? Comment t'as fait ça? Et puis le modelage, c'est-à-dire plus rajouter de l'argile pour construire une figure. Vous allez faire une tirelire. C'est quoi une tirelire? Je sais ce que c'est. En cochon? On va commencer par faire une boule. Ouais, tout à fait. Quand vous avez fini votre boule, vous allez prendre le fil à couper et vous allez couper votre boule en deux. Alors ensuite, quand vous avez deux demi-boules, vous la prenez, vous prenez une demi-boule dans votre main et de l'autre vous enfoncez. De l'autre, on enfonce son pouce dedans et on pince. Et on fait tout le tour comme un bol. Quand vous avez terminé, vous prenez les deux bols, un outil et on strip. Donc ensuite, sur vos strips, vous allez tremper vos doigts dans l'eau et vous allez mettre de l'eau sur tous les tours des bols. Quand c'est terminé, vous fermez. Quand vous avez refermé, ben vous pincez la terre ici pour qu'elle colle bien. Cette boule-là, elle peut se transformer en cochon, elle peut se transformer en chat, elle peut se transformer en bonhomme. Le modelage en général, fabriquer un objet à partir d'une masse de terre et puis lui donner vie, ça c'est quelque chose qui les passionne, ça les marque. D'ailleurs, ils viennent d'année en année. Ils ont envie d'avoir leur objet avec eux et ils leur racontent une histoire, quoi. L'objet, il prend vie, vraiment. Ça leur parle. Et puis, c'est un peu comme un jouet, un doudou. Ça devient une marionnette, quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour leur quotidien, pour jouer, pour parler. Bon, en fait, les oreilles, ça remplace les os de la tête de mort. D'accord. Donc, c'est un cochon tête de mort. Oui, parce qu'il a une tête. Sur la sculpture, oui, plusieurs exercices. Il y a le travail de la sculpture animalière. Ils font aussi une sculpture de masque. Donc après, on travaille un peu sur les proportions. On apprend un peu la proportion d'un visage, les yeux, c'est au milieu du visage, c'est pas dans le front. Voilà, on apprend un petit peu les bases pour eux, avoir des repères pour pouvoir commencer une sculpture. Le lien qu'on voulait faire, c'était surtout utiliser la terre parler de la terre qui est un soin, qui peut être utilisé comme un soin et qui peut être utilisé comme maquillage. Donc prendre l'argile pour maquiller les enfants. Donc là, c'était pour plus le côté ludique, leur donner un peu de plaisir, faire aussi un changement. À un moment donné, les divertir par rapport à un atelier. Ils ont quand même toute la journée une activité un peu lourde, hein, il faut quand même tout le temps travailler. Donc voilà, c'était une petite pause dans la journée et qui était plutôt gaie. Et après, c'est chouette de voir tous les enfants qui sont maquillés sur le site. Juste à côté, certains artistes en herbe émaillent leur bol et pourront repartir avec leur œuvre grâce à la technique de cuisson raku. Alors les émaux, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est des produits qu'on prend dans la nature et on va rajouter des oxydes pour faire des couleurs.
ces émaux-là, c'est toute une technique aussi de réaction chimique lorsqu'on va les enfumer ou pas dans les copeaux de bois. Donc ça va étouffer, ça va enlever de l'oxygène et du coup l'oxyde de cuivre va se transformer de bleu vert à rouge puisqu'il n'y aura plus l'oxygène dans l'oxyde de cuivre qui va disparaître par rapport à cet étouffement, cette réduction. Alors c'est une technique Raku japonaise qui vient du 16e siècle. Et nous, on a repris la technique, on a complètement changé, on a accéléré la technique, on cuit une première fois la pièce pour qu'on puisse la cuire rapidement, en une demi-heure. Les mailles fondent, on fait le choc thermique, on sort les pièces incandescentes, et à partir de là, on refait de l'enfumage par les copeaux de bois pour marquer les craquelures. Tant qu'à avoir les mains dans la peinture, continuons en faisant de la peinture sur carreau. Donc là, c'est plus une approche de décoration, une approche de gestuelle, un peu une lâcher prise avec des jets d'engobe, du graphisme, des écritures. Et encore une fois, que le public vienne participer, mettre les mains à la pâte, mettre son empreinte de main, touche un peu l'argile avec une première approche de décoration, qui, pour ceux qui osent moins toucher la boue, la terre mouillée, voilà, le décor, ça peut être une première approche plus soft, je dirais. Donc là, c'était aussi un travail de grand panneau mural pour pouvoir mettre sur le site et que ce soit un souvenir pour chaque fête de Chemin de la Céramique où les gens ont participé et puissent voir un petit peu le travail en commun. Après tous ces ateliers, c'est le moment d'aller observer Anne-Laure Charlier, ancienne stagiaire du centre qui nous propose une performance de 24 heures de tournage non-stop. Ça qui est intéressant dans son travail, c'est voir l'évolution de sa fatigue, de ce qui se passe lorsqu'elle reste 24 heures sur un tour non-stop, et puis de montrer un petit peu au public aussi ce que c'est que le tournage en série. Yes ! Et voilà, 10h12. Et là, tu sais, t'as les serpentins, les confettis. Voilà. Le nouveau président. C'est fini. Alors donc, bravo, félicitations. Combien de pots? 110. Il s'est révélé des choses. D'ailleurs, j'ai marqué sur mes pots. J'ai écrit mi-chemin, mi-chemin, mi-nuit, l'heure du. 4 du mat, j'ai décrit son. C'était super. Ça, c'était vraiment un gros moment. J'ai vraiment apprécié. Il y a eu des moments ouais, où c'était très fluide quand je tournais. Et puis, au bout d'un moment, la fluidité, on l'a toujours au niveau des mains, mais le dos, tout à coup, oh. Ça ressemble. Ah. Donc voilà, des étirements, des mouvements. Nous pouvons aussi aller admirer Miral en pleine création. Invité d'honneur du 4e chemin de la céramique, ses œuvres ne peuvent nous laisser indifférents. Oui, parce qu'il y a de la matière, il y a du mouvement, c'est organique. Donc ça ne laisse pas indifférent. Hein. Il y en a certains qui trouvent ça même malsain. Mais après, ça donne une force à la matière, à la peau de l'argile. Et c'est vrai que tout de suite, on peut faire un lien avec le corps. Du coup, ça nous torture. Alors, Miral, en fait, on s'est rencontrés lors d'une cuisson autour d'un four à bois qui durait pendant 3-4 jours. Donc, on a eu le temps de se connaître grâce à ça. Et c'était une belle rencontre. La façon dont il mettait le bois dans le four, j'ai tout de suite compris qu'il avait travaillé avec un de mes maîtres, Seno Yang. Donc, on a eu le même maître, en fait, dans le travail de la céramique. Et tout de suite, c'était un lien et un point de rencontre assez belle. Donc Miral, on s'est rencontrés lors de la cuisson au bois et après, du coup, j'ai invité à faire un stage à l'atelier pour mes élèves du centre de formation. Et puis, l'invité d'honneur ça s'affichait. Il est très humain, très généreux, passionnant. Et puis, il donne beaucoup. Il a vraiment une façon d'expliquer, de donner, de livrer aussi ses sentiments. Il n'a pas peur de donner ses techniques. C'est pas quelque chose qu'il effraie. Pour lui, ce qui est important, c'est ce qu'on veut dire, ce qu'on a à dire. C'est pas juste une technique basique. C'est pas ça qui est important. Et puis, Miral a aussi des connaissances importantes sur les différentes écoles. Il a fait beaucoup de conférences dans le monde entier. Donc, c'est quelqu'un qui est très riche pour le mélange culturel aussi. Planons plus loin, laissons Martine nous présenter ces demoiselles, amalgame de terre et de métal. Les mademoiselles, il y a des mademoiselles. En fait, je garde mon esprit féminin, je sors de 35 années de coiffure, hein. J'étais artisan coiffure, voilà. Donc la féminité est toujours ancrée en moi, donc il faut que ça ressorte. Donc, c'est mademoiselle, et il y a quand même une symbolique en fait. C'est deux cônes l'un dans l'autre. Le premier, c'est plutôt le ressenti, la personnalité, l'intérieur de la personne. Et le grand cône, c'est plutôt le vêtement.
Voilà. Donc en fait, après, à chacun d'interpréter ce qu'il ressent, quoi, de se faire son imaginaire. Voilà l'idée des mademoiselles. Une grande partie de l'abbaye est consacrée au Land Art, où sont exposées les œuvres d'artistes connus, méconnus, professionnels ou non. Alors le but du Land Art, c'est en effet de faire venir des jeunes céramistes qui n'oseraient pas intervenir dans une exposition céramique avec des professionnels. Donc là, c'est un petit peu un coup de pouce pour qu'ils viennent installer leur première exposition, mettre en valeur leur travail et puis se présenter, se montrer au public, se montrer à des collectionneurs. Il y a un peu de tout, autant des toutes petites pièces que des gros volumes ou que des grosses installations. Donc après, ça dépend de la prise de conscience des artistes à travailler sur le sujet, de l'ampleur aussi du travail que c'est pour eux. Moi, je trouve que c'est l'avenir de la céramique. Là, l'avenir, c'est vraiment travailler différents matériaux. Donc là, on voit la soudure, on voit le bois, on voit le verre, le bronze, pas seulement la terre, les émaux, la sculpture. Ça va beaucoup plus loin. Si on veut pouvoir présenter son travail et le mettre en valeur et dire quelque chose avec, il faut savoir utiliser d'autres matériaux pour mettre une installation en place. Après, l'objectif également, c'est que ce jeune public se mêle avec les professionnels pour qu'il y ait un échange et que les professionnels soient plus présents dans le Land Art. Ça, c'est un objectif que je veux plus obtenir à l'avenir, puisque je trouve qu'il n'y en a pas encore suffisamment. On a un tiers du Land Art seulement qui sont présentés par des professionnels. Et le reste, ce sont des jeunes talents, des personnes qui sont encore pas forcément déclarées, puisqu'ils vont apprendre le métier et qui commencent. Alors c'est pas que des personnes jeunes en âge, c'est des personnes jeunes dans le métier. J'ai des élèves au centre de 19 ans à 75 ans, même peut-être un peu plus. Oui. Donc oui, il y a vraiment tous les âges et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange après des échanges entre les gens qui apportent beaucoup de maturité à l'un comme à l'autre. Hein. À quelques pas, Ivan Levasseur, céramiste musicien, nous conte les origines de la musique. En tant que musicien, en tant que céramiste, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les civilisations et les cultures, dans le monde entier, la céramique musicale est présente. Notamment en Chine, en Afrique noire, pour des percussions, où le pot déjà est tourné par le potier et détourné par le musicien qui va se servir du pot comme caisse de résonance. Dans une jarre, il y a un son. Et dans ce son, il y a une hauteur grave, aiguë. Selon la taille de la jarre. Alors on va se servir de la jarre comme un résonateur. L'histoire de taper sur un pot ou de servir de résonateur, voilà une idée qui était dans la poterie très très ancienne. La frappe sur le sol, la frappe de la terre, de faire des tambours en faisant des creux dans la terre et en laissant comme une jarre un orifice. Et ça servait d'instrument à percussion. Entendons un peu plus l'oreille. Tempradura nous enchante de ses accords médiévaux. Ça se mêle à merveille, donc c'est aussi un petit clin d'œil, puisque moi je fais des animations médiévales et je travaille beaucoup avec la troupe Tempradura. Et puis Yves Carrier, qui est vanier, aussi travaille avec eux. Donc c'était un petit clin d'œil pour qu'ils viennent faire un petit peu d'animation, connaissant aussi leur talent pour animer le public. C'était parfait pour ce genre d'événement où on avait besoin d'ambiance. Et puis avec l'argile, un côté un peu naturel, un peu festif, d'une époque plus nature.
Encore un peu plus loin, et nous assistons au spectacle de Diane, au milieu du Land Art. À l'atelier, en fait, Diane, elle vient souvent pour donner justement un point de vue sur le sens artistique, sur l'énergie corporelle par rapport à ce qu'on fait devant le public, des conférences. Là, c'est un travail que l'artiste aujourd'hui est obligé de faire. C'est aussi se présenter, présenter son travail, savoir se vendre. Donc ça se travaille avec le corps, avec la parole, avec donc Diane intervient au centre de formation pour ça. Donc son corps expressif, sa gestuelle expressive, et du coup elle apporte beaucoup aux élèves. Donc l'intérêt de la faire venir aussi là, c'était de montrer un petit peu elle jusqu'où elle pouvait travailler avec ces clés là qu'elle donnait aux élèves. Pour terminer cette journée, la troupe Déméter présentait Œuf de Pierre, une chorégraphie au milieu d'une installation de céramique. La matière terre est le tissu aérien évoquant l'enfermement de la femme et sa force d'émancipation.